Bienvenue sur tolobelavie.com. Merci surtout de votre fidélité. Bozomona, je crois, Nazali Banda. Mais, Tokoki Koti Kate, Tolobaki, vous informer, c'est notre souci majeur. Tokoki Koti Kate, Kolokelabdo, information. Information, Zanini. Dauphin, il y a Kabila. Normalement, Lelo, ou lobby. Il faut aller là. Tiens, Dauphin de Jean Kabila, les noms ou lobby. Oui. Alors, réunion de Jésus Salama, Nakati, il y a Kingakati, Lelo. Il faut mettre ça Dauphin. En fonction de tout ça, dans le monde, la vie, non, moi, intervention, il y a Azarias Rouberoua. Bon, comment Azarias Rouberoua a su défendre la nationalité congolaise? Alors, il y a nationalité de à part sa nationalité congolaise. Donc, il y a en tout cas pour Rolanda. Pour le monde aussi, Ndenge Vital Kamere, a déposé la candidature. Pour le monde, parce que les lopés de Soussou, Félix Tshisekedi a déposé la candidature. Donc, tout ça, là, moi, bah, l'élément autokoki qu'on propose Bino Lelo, il y a pour Rolanda. Président Joseph Kabila, tina minute silence. Ma source est obima que Joseph Kabila y est moko dauphin. Toye bango kalelo na lobby. Alors restez connectés na tout le bel avis, hein? Surtout restez vraiment branchés. Faut qui partout aux alli. Il faut être informé bien. Je crois vraiment on a ton studio tout le bel avis, t'es abonné toi les bandes ton mbo comme sousou, mais et c'est là qui toujours tout informé bino. Donc information en gona tout c'est la bino tous à la peine vigilant hein bana qui tous à vigilant parce que Kabila na minute yo asa sur la ligne de départ na PPRD bayebi FCC bayebi. Dauphin, on a mis sous le dauphin, parce que le dauphin faut l'élo. Je vais aussi à l'élo. Parce que l'eau est à clôture. Restez connectés dans le la vie. D'ici là, portez-vous bien. La tienne est bien. Parce que nous sommes tous là. D'abord, pour toutes les informations sur le dauphin, il y a Joseph Kabila les ananas. Parce que l'élo est déjà sous le macam. L'eau est 7. Alors, tous à la gaga wana. Tous à la gaga connectés. Tous à la gaga branchés. Émission Oyo, autant l'envoyer mon côté, partager les mon nom Moussousou. Partager mon nom Moussousou parce que. À très bientôt, dans quelques heures, qu'on le veuille ou pas, Dauphin Zoyeba. Tant que Moussousou, qui est Dauphin Zoyeba. Restez connectés, merci. C'est des institutions qui ont fait le cas. Tout le monde a un problème de la situation. Vous avez la machine à côté, après digital, 6 millions, après baron, 10 millions, après biso. Vous avez l'insécurité, puisque tant que vous avez un problème de l'élection. Mais si on a quand même ces attentes, c'est mon côté. Autant le cas, mettez ma peuple congolais, puisque moindre erreur, vous êtes sur mon côté. Là, on a aussi un matin, sur le mandat. Nous avons besoin de la place. Va faciliter toujours pouvoir à place et demeurer et vendre. Yamana Toyokani, l'obin à 9h, Tokokutana, pour te déterminer, et l'on tout ça, nani Tokoponae, pour représenter Bisso, Nakata Belexio. Mais elle en route, Bolba Kakao, peuple à Sengi, Bozala ensemble, Bozala ensemble, mais Kozala ensemble, en gros, Bachi, Bakit, Namba Kumba, Batonio, Soto, Bazaba Kanja Preza, Boya Toyokana, Tobi Misakasimoko, y a représenté Bisso, Tofumo Limitema. Mais Bakimi, Balobio, Bango Baza, grande figure, Bango Baza, Bameni, Frente.
est-ce que vraiment c'est normal? Il y a un autre mitouni. 2006 élection, 2011 élection. Est-ce que ma grande figure, le peuple, à mon avis, il n'y a pas de peuple, nini qui bokonzi yango mais ba poni ba tumusu c'est que bazawa grande figurité bazo souffrir bazana complexe ya supériorité vis-à-vis ya la biso milulu ya lelo ezali po na solora na ba membre ya MDP na solora na bino po na ndenge molobeli na biso alobi ke to présenter candidat moko kaka yoyo Gabriel moko na belekso mercredi banda tongoti minuit heure ezali po ako déposer candidature na ye aza na raison yango na limboli soki na présenter candidature ezali po na bana mboka babonga na limboli ke banda na banda politique na 1995 nano na zwa un frère ya mutu moko te na zolo bango devant Nzambe et devant pouvoir la place mais na tomboli politique na opposition bandambula wana ti leloyo vio na biso akenda Tshisekedi abengi singa alobi awa na opposition mobimba na politique oza le seul oh nana alia mbongo ya pouvoir te je mene na mene ba kete na ngai na moni koza le seul wa va juste devant témoin yango na lobi moto monene lokole tei Tshisekedi akumisa yo bato oyo ya mabe bandima bandima te me nga naza na parfaite communion na Nzambe pourkui kokende koluka candidat epa mosusu baoyo bateki bayeranium baoyo bateki baporo baoyo bateki biloko ya Congo semi botala oyo aza sur place ye oyo pe akopesa bino discours ya malamu po bokoka kovivre très bien. Madame et Monsieur de la presse, j'ai tenu à faire une déclaration ce jour pour apporter la lumière par rapport à la confusion jetée dans l'opinion il y a 48 heures à travers une pseudo-liste des personnes détenant la nationalité double. Il s'est avéré que mon nom s'est retrouvé sur cette liste. Quelqu'un a dû me trouver une nationalité américaine, en plus de la congolaise, de l'unique nationalité congolaise que je détiens. Il est évident que la DGM, structure étatique, a apporté son démenti formel, public. Il m'a paru insuffisant parce que le mal était déjà fait. Je suis un homme de loi, avocat de profession. Je connais donc ce que c'est la loi. Je suis un homme politique, un homme d'État, ayant occupé de hautes charges dans notre pays, ayant postulé aux élections présidentielles, les premières qu'a connues le pays dans un système tripartiste en 2006. Actuellement, je suis ministre d'État et ministre de la décentralisation et de la réforme institutionnelle. Et donc, étant un homme de loi et bénéficiant de la confiance du pays et d'autres autorités, il est impensable que je fasse des démarches, que j'obtienne une nationalité étrangère. Ainsi donc, je ne détiens pas une nationalité américaine ni aucune autre en dehors de la nationalité congolaise. Et je mets à défi quiconque au pays ou à l'étranger, dans n'importe quel service que soit, puisse apporter la moindre preuve non seulement de ma détention d'une autre nationalité, mais en plus, même une simple demande, parce que ça ne m'est jamais parvenu dans ma pensée. Je tenais donc à fixer l'opinion. Les conséquences d'une double nationalité, c'est
la non-éligibilité au regard de la loi, de la constitution, je le sais très très bien, mais en même temps, il n'y a aucune raison pour moi à qui le pays a tout donné de chercher à avoir une autre nationalité. Prenez cela pour acquis et que l'opinion qui était troublée par cette diffusion, qui restait peut-être sceptique malgré le démenti de la DGM, soit définitivement fixé à ce sujet. Et cela, vous avez apporté un démenti par rapport aux rumeurs qui circulent sur une nationalité américaine, mais il y a une histoire qui date des années 90, où on dit que lorsque vous étiez encore étudiant à l'université de Lubumbashi, lorsqu'il y a eu des troubles, vous êtes réfugié à l'office des étrangers, et en ce moment-là, vous êtes présenté comme un citoyen rwandais. Ce sont des rumeurs qui circulent. Voilà, justement, voilà, c'est pas des années 90. Je connais l'article de l'un de vos collègues. Je suis en train d'envisager les possibilités de tenter un procès contre lui parce qu'il a fabriqué une interview où il me faisait paraître devant le HCR à Lubumbashi avec un interrogatoire à question-réponse. Il y a quelques années seulement de cela. Des choses comme cela, conçues par des éléments de la presse, ou en dehors de la presse, c'est des choses extrêmement nuisibles à la réputation, c'est constitutif d'infractions au regard de la loi dans notre pays, et donc ça ne va pas rester impuni. Je ne détiens aucune autre nationalité, je n'ai jamais cherché une autre nationalité, je ne cherchais pas une autre nationalité. La nationalité congolaise que Dieu et le pays m'ont dotée suffisent. Et donc, quiconque a contrefait ce fait, y compris dans le récent dossier de cette nationalité américaine, je vais veiller pour que des poursuites soient diligentées contre ces personnes qui appartiennent à la DGM ou à notre service, ou que ce soit des simples citoyens qui ont voulu semer le doute sur mon identité. À coup sûr, des poursuites seront faites et je saisirai le service judiciaire compétent, le parquet compétent. C'est très très élémentaire de comprendre que la nationalité ou l'identité par une définition juridique qui est dans la Constitution, mais en même temps, le peuple que nous sommes au Congo sont aussi bien identifiés dans différents groupes ethniques. Le Congo n'est pas fait comme un seul groupe ethnique. Le Congo a des groupes ethniques que vous avez appris à l'école, et il suffisait de ne pas répondre à telle ou telle question en ne mettant un seul groupe ethnique et vous n'avez pas de points. Donc l'histoire et la géographie n'ont pas changé. Merci. Papi, qu'est-ce que tu as la vie? Veux dire, tu as la vie. Tu as la vie.